Il fait 3 mètres d'envergure, il est équipé d'un moteur de 40 cm cubes, un moteur SDZ. Et il est piloté par Dave Dinter. C'est un avion, on va dire, frappé, donc ça veut dire qu'il a. Alors faut pas vous mettre en, on pourrait croire que. Ça va être un meilleur début, mais non, c'est quand même des avions avec une finition élaborée, parce que vraiment la température, les volets, c'est un avion tout à fait fin. Mais c'est pas l'avion de débutant. Ce qui est arrivé pendant la guerre de France, ils sont contents et d'autres ont utilisé ce type d'avion. D'ailleurs, les chasseurs aimaient bien abattre leurs avions parce que déjà c'était des avions faciles à abattre parce qu'ils n'avaient pas de défense. En plus, souvent il y avait une personnalité à l'intérieur. Alors vous pouvez voir la cabine a pas mal de montants à l'autre côté. Donc, les pilotes ne devaient pas trop utiliser ce type d'avion parce qu'ils voyaient pas ce qu'il arrivait par l'arrière. Voilà, bon, magnifique. Aujourd'hui, vous gâtez, on a des beaux atterrissages. Bonjour aussi, d'ailleurs. Donc, bravo, Dave. Je pense que c'est un vrai.